Pourquoi tout ce bruit là dans la maison, Mariam? Qu'est-ce qui se passe? Tanti, ton mari m'a violée. Hey! Sale menteuse, là mon mari est couché, il se repose. Mais quand tu dis ce que c'est ton mari, nous en fait. Ferme ta bouche! Tais-toi! Sale petite menteuse! Hey! C'est ton doigt, tes mains n'ont pas pris. Pas menti sur mon mari! Tes mains sont venues, tu vois que mon mari t'a violé. Je vais te le mettre dans tout ce bissac là. Sale petite peste. Et c'est comme ça que je me suis enfuie de la maison. Pendant que ma tante et son mari dormaient. Je n'arrive pas à imaginer cela. Que la petite soeur de votre père puisse vous faire cela. Mais faites-moi confiance, ce qui ne restera pas impuni, ok? Merci, monsieur. Non, appelez-moi juste César, juste César, juste César. Ok, César. Cet endroit vous appartient, monsieur. César, oui, c'est mon domaine, c'est mon domaine, c'est mon domaine. Ok, alors César. Allons, je vous fais visiter. Ok, pas de problème. Ok. Voilà, la belle rue, tout ça, ça m'appartient. Voilà, c'est le moment où je suis le propriétaire du coin. Voilà, regarde, tu vois un peu. Tu vois, ouais. Allons juste après toi. Viens, je te montre la réception. Bonsoir, patron. Bonne arrivée. Merci. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Elle, c'est Miss Mariam. Voilà, je vais un peu la faire visiter l'hôtel. D'accord. Ok, donc à tout à l'heure. À tout à l'heure, pardon. Ok. Ici, ça, c'est la salle d'attente. Pour ceux qui commandent l'hôtel, on reçoit des pièces, l'hôtel, elle est remplie. Donc, tu t'assois, tu regardes, en même temps, il y en a une télé ici. Voilà, tu vois un peu. Elle est voilà, c'est la TV qui sort. Et voilà, le ouf. Voilà, là, c'est le patin qui est là. Donc comme je te le disais, ici c'est le parking intérieur, voilà, là-bas c'est l'extérieur, voilà, donc j'ai de l'énergie solaire, j'ai deux barriques d'eau vraiment, en tout cas dans mon hôtel si on ne coupe pas de l'eau, voilà, le monsieur là ne veut pas dire que je ne paye pas mes factures de celui-ci, hein, t'inquiète pas, ok? Ah, non, on ne coupe pas le courant aussi. Non, si, on coupe le courant, je paye mes factures. Ah, d'accord. Ok, alors. donc vous avez un magnifique hôtel. Oh, merci, merci, merci. Donc, comme je disais, je vais te faire visiter la chambre. Les chambres ici sont représentées par les différentes villes de du pays plutôt. Donc là, c'est Grabo. Grabo, ça, c'est du côté des Grandes Bérubies. Voilà, donc je te montre. Viens, viens, viens. Voilà, voilà les chambres. Comme je disais, tout ici, c'est pour moi. Tu vois, de toute façon, c'est magnifique. Tu vois, de toute façon, c'est magnifique. Voilà. Ça, c'est le lit. C'est du bon matelas, hein. Il est beau. D'accord, et voilà, viens, viens, je te montre un balcon. Là, ici, sur le balcon. Voilà, sur le balcon qui est là. Parlons de ça, toutes les chambres sont climées. Hein. Toutes les chambres sont climées. Voilà, tu vois. Donc, c'est ici, de suite, c'est comme ça que les chambres sont. Mais avant, je te montre d'autres chambres. Donc, ici, vous installez des chaises. Oui, oui, ici, on installe des chaises et autres. Voilà. Alors, je te montre d'autres choses encore. Attention. Là, c'est Mwaki. Là, c'est Tambou. Mais attends, je te fais visiter celle de Korogo. Voilà. Attention à toi. Ok, avancez. Tu vois, façon, c'est joli. Tu vois? Tout ça, c'est moi que j'ai fait. Hein. Oui, mais c'est le lit qui me plaît dans tout ça. Vas-y, tu peux toucher, vas-y, touche. Tu peux toucher. Tu vois? La majorité des chambres, c'est à peu près les mêmes matelas. Tu vois? Voilà, viens, viens, viens. Je te montre aussi toujours. Voilà.
Nos douches sont tellement intactes. Plus nous frappons. Oh. Vas-y, tu peux regarder. Tout ça, ça m'appartient. Ça m'a coûté vraiment une fortune. Ah, chez nous, au village, il n'y en a pas ça. Sans que le bien. Voilà. Voilà. Attends, je te montre la fenêtre. Voilà. Viens, viens, viens. Regarde. Ici, tu as une belle vue. Où tu vois dehors. Vas-y. Voilà. Où tu vois dehors et autres. Voilà. Tu vois un peu? Voilà. Ici, c'est le sommet. Voilà, donc j'ai prévu pouvoir faire autre chose. Mais hein, tu sais, j'ai tellement d'idées. Donc, bon, viens, 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 je commande quelque chose. Viens, attention. Voilà. Ici, ça, c'est le fleuve. Voilà. On fait les balades en pirogue. Tu vois un peu? Voilà. Tu vois un peu, ouais, à la ville. Tu vois un peu, admis un peu la vue. Voilà. Une très belle vue. Bon, tu vois celle-là comme ça, quand tu la prends, tu vas sur la route de Grand Bérébi et tabou. Tu vois un peu? Et celle-là, quand tu la prends, tu te retrouves sur la grande ville San Pedro. Donc, tu vois qu'on se retrouve à un endroit vraiment magnifique. Tout cet endroit-là, c'est pour moi, hein. Ça nous appartient. Moi, surtout. Voilà. Vous avez un magnifique endroit. Oh, ici. Merci. Donc, on dit ça? Ok. Merci beaucoup. Mais lui là, c'est quelle manière de faire le calendrier ça? Mais chérie, regarde, tu trouves pas que le calendrier est nul? Au lieu de te lever, aller chercher un travail à faire là, c'est pour venir t'asseoir parler de la main dont les gens font les calendriers. Pardon? Et puis je vais laisser la liste des courses. Je suis fini, tu vas me faire les courses. Oh. Bonjour monsieur Johnny. Bonjour mon autorité. Bonjour monsieur. En quoi puis-je vous aider? Bah, vous êtes en état d'arrestation pour viol et maltraitance. Vous et votre femme. Quoi? Aïe, mais j'ai violé personne. On a maltraité qui? Moi et mon mari sommes innocents. Vous avez le droit de garder le silence car tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Hey, mais c'est quoi cette histoire? On va qu'elle. Mais mon autorité. Attendez, attendez, vous faites sûrement une erreur. Vous faites sûrement une erreur. Il n'y a aucune erreur en bas qu'elle est là. S'il vous plaît. Il n'y a aucune erreur en bas qu'elle est là. Attends, mais j'ai des droits. Où sont les papiers d'arrestation? Alors, qu'est-ce que c'est ce fils là? J'ai des droits là.